Salut les loulous, comment allez-vous? C'est The Killer d'Informatique Facile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite astuce. Donc, la première vidéo de la playlist personnalisation de Windows. Donc, je vais vous montrer quelques astuces et ainsi aussi quelques logiciels pour personnaliser votre Windows à donf. Bon, si comme moi vous êtes du genre à avoir pas mal d'icônes dans votre barre de tâches et que vous commencez à manquer de place, donc bon, moi là, je l'ai déjà un peu vidé, mais à la base j'avais pas mal d'icônes et c'est bien chiant. Alors sachez que Windows propose de réduire la taille des icônes de la barre des tâches, ce qui laissera un peu de place et en plus diminuera la hauteur de la barre. Alors ce qui n'est pas du luxe. Donc voici la marche à suivre et plus simple, sérieusement, tu peux pas. Tu peux pas faire plus simple. Donc bon, je suppose que 95% d'entre vous connaissent déjà cette petite astuce, hein, mais je la fais quand même parce qu'il y en a certainement qui ne savent pas comment faire. Donc vous allez tout simplement cliquer droit sur votre barre de tâches et vous faites propriété. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, donc voilà, vous avez verrouillé la barre des tâches, masqué automatiquement la barre des tâches et utilisé de petites icônes. Donc vous pouvez faire pour réduire la taille de votre barre de tâches, utilisez de petites icônes. Ensuite, vous faites appliquer. OK. Et votre barre a diminué de moitié, ainsi que vos icônes. Donc voilà, c'était un petit tuto qui a duré 1 minute 30. Ce qui n'est pas grand-chose, évidemment. Mais voilà, fallait que je vous le fasse. Enfin, voilà, hein, y a pas à tortiller des fesses pour chier droit. Non, je plaisante. Non, mais voilà, fallait que je le fasse. C'est peut-être con-con, cucu, enfin, tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà, hein. C'est fait. C'était la première vidéo. C'est toujours comme ça, hein, la première vidéo est toujours un peu ratée. Non, je déconne. Donc voilà, si t'as aimé cette petite astuce, tu cliques sur le pouce vert ou bien sur le pouce rouge. Tu peux aussi t'abonner et tu peux faire les deux. Parce que ça va me motiver à continuer de faire des vidéos pour vous. Si jamais vous avez besoin d'un tuto particulier, faites-le moi savoir et je vais tâcher de vous le faire, évidemment. Hein, je suis là pour vous, je suis là pour mes abonnés. Je suis pas là comme certains youtubeurs à vouloir faire de l'argent à tout prix, non. Perso, je gagne même pas un centime avec mes vidéos. Donc voilà, et on est à 159 ou peut-être 160 abonnés à l'heure actuelle et je suis déjà vraiment, vraiment, vraiment très heureux. Merci à vous quoi, enfin sérieusement, je pensais pas en arriver là. La chaîne a moins d'un an et c'est pas mal. Donc voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Surtout, n'hésite pas à partager la vidéo un max sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Allez. Ciao les amis et à bientôt.